Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons créer des listes de contacts. Qu'est-ce que c'est qu'une liste de contacts? C'est simplement, vous avez besoin d'envoyer un mail spécifique, un mail que vous voulez envoyer à 100 personnes, mais en vérité, vous auriez pu l'envoyer à 2, 10 ou 100 personnes. Donc, vous voulez créer ce qu'on appelle une liste de contacts. C'est-à-dire que, selon le nom de la liste de contacts, vous allez l'envoyer à des personnes précises, à une quantité précise de personnes. Et pour cela, c'est assez simple à faire. D'abord, il faut être sûr d'être sur une version assez récente parce que j'ai vérifié, certaines versions de Yahoo Mail n'ont pas systématiquement ces listes de contacts. Sinon, comment on fait? Donc déjà, on est sur la page principale de Yahoo Mail. On cherche le petit logo qui correspond à contact. On peut le trouver à gauche, ici, ou on peut le trouver ici. Et dès qu'on l'a trouvé, on clique une fois. Ça vous ouvre quelque chose où il y a marqué « Principaux, tous et listes ». Nous, on veut créer une liste de contacts. Donc, dans un premier temps, on va cliquer ici à l'endroit où il y a marqué « Liste ». On clique une fois. Et on nous fait la proposition de créer une liste. Il y a marqué « plus ». Donc, moi, je vais créer une liste qui va s'appeler « mes amis ». Donc, je clique une fois. Nom de la liste, je vais écrire « mes amis ». Pas de problème. Et voilà. Donc, maintenant, je vais ajouter des contacts. Et je peux en rajouter autant que je le veux. Donc, on peut créer des listes de centaines de personnes. Mais là, on va essayer de faire assez rapidement. Donc, on va faire une liste. On va mettre, par exemple, ajouter des contacts, rechercher le nom. Donc, on va faire Silver Trans. Il me fait déjà des propositions. C'est merveilleux. Donc, puisque je les avais déjà préenregistrés, on va mettre déjà Silver, celui-là. Très bien. Ensuite, je vais en rajouter un autre. Voilà, je vais mettre celui-là. Et imaginons que j'en rajoute encore un, je rajoute celui-là. Donc, j'ai créé une liste qui va s'appeler « Mes amis ». Et il suffit que j'appuie sur « Enregistrer » et c'est fait. Toutes ces personnes vont recevoir en même temps le même mail. Donc, je fais « Enregistrer ». Donc, maintenant, ma liste existe. Il n'y a que 3 personnes, mais comme j'ai dit, vous pouvez mettre autant de personnes que vous voulez. Maintenant, on va dire que j'ai envie d'écrire un mail qui va être envoyé à 3 personnes. Je vais en haut à gauche sur « Écrire ». Très bien. Et le message, ce sera ce que vous voulez, c'est pas important. Voilà. Donc, « A », et je vais commencer à écrire « Mes amis ». Et vous voyez que de façon automatique, vous avez un rectangle où il y a marqué « Mes amis, 3 contacts ». Donc, si j'envoie ce mail, donc je valide déjà en cliquant dessus sur ce rectangle pour dire que c'est bien celui que je veux, et vous pouvez voir que les 3 destinataires apparaissent automatiquement. C'est assez agréable, c'est beaucoup plus rapide et ça vous permet vraiment de faire un travail très professionnel. Il suffit maintenant d'appuyer sur « Envoyer », comme je vais le faire, voilà. Et maintenant, notre mail est parti vers 3 destinataires en même temps. Voilà, c'est fait. Merci, bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.